Dans l'économie, c'est un mot qui revient assez souvent. On va en parler pendant quelques minutes avec Philippe Frémaux, qui est éditorialiste donc du magazine Alternative Économique. On vous connaît depuis bien longtemps ici aux Rencontres de Cannes. Philippe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que ce mot de la confiance est un mot qui pourrait être la pierre angulaire en réalité de l'économie? Pierre angulaire, non, on ne va pas aller jusque-là, mais disons que c'est un élément essentiel dans une économie de marché décentralisée, où finalement l'activité économique dépend au jour le jour de décisions de millions, de dizaines de millions de personnes, qui sont des consommateurs, des épargnants, des salariés, des chefs d'entreprise, des financiers, des investisseurs. Et donc selon la vision qu'ils ont de ce que va être l'avenir de l'activité économique, ils se comportent de telle ou telle manière. Et si leur vision est pessimiste, ben, ils vont avoir des comportements qui risquent d'être finalement autoréalisateurs. C'est-à-dire, si les consommateurs, au lieu de changer de voiture, ben, ils décident d'épargner, d'attendre quelques mois pour blinder leur livret A, ben, c'est sûr que ça va ralentir la production automobile. Du coup, ça va provoquer du ralentissement de l'économie. Et du coup, ils auront raison a posteriori, puisque de fait, ils auront perdu confiance. Voilà. Oui, mais est-ce que finalement, l'économie n'a-t-elle pas pris un peu le dessus sur la politique, finalement? Non, je pense que c'est une autre question. Je veux dire, vous savez, l'économie, elle est d'abord politique. C'est-à-dire, une économie qui fonctionne bien, elle repose d'abord sur la qualité des relations entre les gens. C'est la confiance qui met en place une éventualité économique. On va y venir. Ouais. C'est-à-dire, ce qui fonctionne très bien dans notre société quand on y réfléchit, mais on est tellement habitué qu'on ne se rend même pas compte. C'est quand vous allez acheter un café, vous prenez un café au bar, hein, vous savez le prix que ça va payer, vous n'allez pas négocier 10 minutes, vous savez que dans votre café, il y aura du café, hein, il n'y aura pas quelque chose d'autre. Quand vous achetez un pack de lait, vous savez qu'il y aurait du lait dans le pack de lait, vous ne discutez pas les prix, etc. C'est-à-dire, il y a une confiance dans les relations marchandes. Et cette confiance, c'est un élément essentiel, effectivement, de la rapidité, de l'efficacité, finalement, globalement, du système de marché. Vous savez, quand on est dans des pays sous-développés, des pays du tiers-monde, bien souvent, les touristes trouvent ça amusant, mais ce n'est pas du tout amusant pour les gens. Quand vous êtes obligé de négocier les prix, de discuter pendant 20 minutes avant d'acheter quelque chose, que vous n'êtes pas sûr que dans la farine que vous achetez, il n'y ait pas quelque chose qui ne soit pas uniquement du blé, que quand vous êtes en Chine, vous achetez du lait, et puis les mecs, ils ont foutu de la mélanine, qui est un produit toxique pour vos enfants, etc. Bon, alors, il n'y a pas que dans les pays du Sud que c'est comme ça. On voit bien que Volkswagen peut bien aussi sûr, truquer, etc. Oui, oui. On voit bien ou que toute lasagnes, la finance, toute sûr, la finance, oui, oui. toute la finance mondialisée, et ça a donné la crise de 2008, reposait largement sur une vaste escroquerie. Donc, vous avez effectivement ce type de problème. Mais globalement, nos sociétés fonctionnent quand même très bien du fait de cette stabilité, de cette confiance des acteurs économiques les uns dans les autres. Alors, là, vous avez tout à fait raison. C'est, ça, c'est garanti à la fois par des conventions sociales qui fait qu'on a confiance les uns dans les autres, mais aussi parce qu'il y a un État qui organise, qui fixe des règles, il y a une direction de la concurrence qui surveille que tout se passe bien, il y a des lois, il y a de la vigilance citoyenne, mais il y a aussi une vigilance législative et un cadre qui est imposé depuis tellement longtemps que de fait on l'a intériorisé. Mais le marché ne fonctionne jamais sans des institutions qui sont des institutions solides. Et vous voyez bien que la finance elle-même, on l'a bien vu lors de la crise de 2008, finalement elle fonctionne quand il y a aussi derrière un État, une banque centrale qui joue le rôle, comme on dit chez les économistes, de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire que quand tout s'écroule, elle est capable de mettre des liquidités, de sauver le marché. Et on le voit bien, si on a évité que l'euro s'effondre lors de la crise qui a suivi 2009, 2010, 2011 en Europe, c'est bien que la banque centrale a fait le job, elle a fait son métier, c'est-à-dire elle a dit, vous inquiétez pas, je refinancerai les pays qui sont en difficulté. Et ça a évité effectivement l'effondrement de l'euro. Tout au long des débats qu'on a ce week-end ici, dans les rencontres de Cannes, la confiance, surtout vis-à-vis, par exemple, de la politique, revient régulièrement. Mais est-ce que l'on peut aujourd'hui faire confiance à la finance? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement à marier le mot confiance et finance? Parce que même les politiques, souvent, nous disent « mon ennemi, par exemple, c'est la finance, c'est la financiarisation permanente de tout ça. Les marchés sont… » Trump l'a dit également, voilà. Ça ne l'empêche pas de nommer deux personnes de Goldman Sachs à son cabinet. Voilà. Mais bon, la réalité, c'est que de fait, on a besoin de la finance. On a besoin de la finance, on a besoin des banques pour financer l'économie, pour financer l'activité économique, parce que c'est des acteurs qui se projettent dans l'avenir, qui sont capables. Bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle ne fait pas son job, elle ne fait pas son métier. Elle est trop orientée dans des spéculations de court terme au lieu de financer le développement économique à long terme. Et pour ça... Donc on n'est pas dans l'intérêt public et commun. Il faut de la régulation, il faut effectivement... Alors les banquiers se battent contre,
parce qu'ils gagnent plus d'argent à faire ce qu'ils font aujourd'hui qu'à financer, par exemple, la transition écologique. C'est des investissements qui sont de long terme, c'est des investissements dont la rentabilité immédiate est réduite, mais qui sont pourtant absolument nécessaires si on veut que la planète ne devienne pas inhabitable pour l'humanité. Comment on fait pour réinventer le progrès ? Vous avez rencontré Laurent Berger, Pascal Canfin. Comment on fait pour que le politique, le syndicaliste, puisse à un moment donné atténuer finalement les appétits des financiers ou des finances. Je pense que la question surtout, c'est que nous citoyens, on ait de nouveau confiance effectivement dans l'avenir. On vit dans un monde, vous savez, qui a complètement basculé avec depuis 40 ans, depuis la fin de la période de croissance d'après-guerre. La période d'après-guerre n'a pas été une belle période. Les vieux vivaient dans la misère, c'était la période des guerres coloniales. Contrairement à ce qu'on nous dit, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout dans le « c'était mieux avant ». En revanche, on pensait que demain serait meilleur. On pensait que nos enfants vivraient mieux que nous. Mmh. Et aujourd'hui, les choses se sont retournées. Et elles se sont retournées d'une part parce que le monde a changé. Je veux dire, de fait, il y a des tas de pays du Sud qui se sont développés. Et c'est une bonne nouvelle pour l'histoire de l'humanité. Mmh. Et puis, de l'autre chose, c'est que vous avez de fait, aujourd'hui, on a découvert que la planète, elle est limitée. On ne peut pas avoir une croissance indéfinie dans un monde fini. Donc il faut réinventer une nouvelle histoire, un nouveau récit, une nouvelle renaissance. Et ça m'a semblé extrêmement intéressant de faire dialoguer justement un syndicaliste, Laurent Berger, et un ancien ministre du développement écologiste, la personne de Pascal Canfin, qui est maintenant directeur général de WWF. Parce que précisément, je pense que la transition écologique, elle va imposer d'importants changements. On va être contraint de le faire de toute façon. Si on le fait de manière contrainte, on va le faire dans l'aggravation des inégalités, la multiplication des migrations climatiques avec des conséquences géopolitiques pour la paix, qui vont être dramatiques. Si on le fait de manière choisie, si on le fait de manière démocratique, si on le fait de manière concertée, si on en profite pour se dire on peut peut-être remettre en cause finalement la façon dont fonctionne l'économie pour la remettre au service du bien-être à la fois individuel et collectif, à ce moment-là, ça peut être une opportunité. Et c'est de ça dont on parle. Justement parce que le problème, c'est que le diagnostic, on est à peu près tous d'accord dessus. On n'est pas tous d'accord dessus. Non, mais sur la pédagogie, sur la manière de sortir finalement de cette possibilité d'implosion. Tout le monde dit qu'il y a un problème, mais certains veulent agir et d'autres pas. Alors, dites-moi, qui veut agir et qui ne veut pas agir ? Parce que c'est clair que vous avez aujourd'hui des gens qui pensent que, il y en aura sans doute dans le débat de cet après-midi, il y a des gens qui pensent que la technologie va tout résoudre. Alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas miser sur la technologie. Mais si on attend de la technologie qu'elle résolve tout, on va dans le mur. Il n'y a pas d'idéologie dans la technologie. Non, mais surtout, c'est que la technologie en tant que telle, même si elle fait des progrès rapides, compte tenu des enjeux et de la rapidité avec laquelle ils se positionnent, dans le domaine du changement climatique, dans le domaine de la destruction des terres arables, dans le domaine de la destruction des ressources halieutiques, avec la désoxygénisation des océans, tous ces enjeux-là, il faut agir tout de suite et avec les technologies du moment. Et si on agit tout de suite avec les technologies du moment, en investissant massivement, de toute façon, on trouvera sans doute des solutions pour les améliorer, pour rendre leur efficacité plus grande. On le voit, regardez le prix de l'éolien terrestre aujourd'hui, il est passé au kilowattheure en dessous du prix du nucléaire. Je veux dire, le nucléaire, c'est une industrie dangereuse, mais en plus, c'est une industrie coûteuse. Donc, c'est une industrie du passé maintenant. Il est temps de passer à autre chose. Donc, et sur ces enjeux-là, vous voyez bien qu'on n'est pas tous d'accord. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, de toute façon, on ne peut pas tout développer puisque nous n'avons pas tout le temps. Mais en tout cas, on peut retrouver un certain nombre de ces idées, évidemment, dans ce livre Entretien donc, avec Laurent Berger et Pascal Canfin, Réinventer le progrès. Puis évidemment, les gens qui sont aujourd'hui à Cannes peuvent participer au débat dans lequel vous allez donc intervenir, économie et confiance. Merci beaucoup, Philippe Frémaux, d'avoir répondu à notre invitation.